Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour le Content Creator Challenge. Aujourd'hui, on s'attaque à deux défis, un sur une partie, l'autre qui est assez facile. Le 32, c'est piocher votre unité lore préférée dans le thème Ruine ou Sentinelle. J'ai choisi le dragon de Kamavor que je trouve vraiment pas mal. Et on va essayer de remporter une partie avec un deck Viego plus Akshan. Comme d'habitude, vous avez le lien vers la première vidéo, le récapitulatif et l'introduction, et la playlist des défis dans la description ou en commentaire. Bon visionnage. Alors, il y a plein de challenges hein, avec Viego et Ashkan. Ça joue quoi? Ecosian, ouais, on va juste garder ça. On va garder Viego. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a détruisez le Nexus adverse avec une attaque de Viego. Détruisez le Nexus adverse avec une attaque d'Akshan. Là, je peux remplir plein de défis en une seule game. Serait assez phénoménal en fait. Hein. Des mains rapides pour un travail précis. C'est parti. Je ne brise pas les règles, je les plie un peu. Palais du seigneur de guerre. Allez hop, Akshan. Il est sort. Bon, Akshan, il est super fragile. Hein. Dia, prudence. On sait pas trop le garder en jeu souvent. Hein. Vaut mieux être mort qu'être une pilto. Je suis invoqué une brume. On va le faire maintenant, ouais. Hop. Bonus sur toutes les brumes et Viego. Du coup, je suis 6-5. Et avec ces petites cartes early qui invoquent des brumes, on va faire pop Viego 6-5, 7-6. On peut le faire pop gros quand même. On peut toujours compter sur toi pour nous protéger. C'est le bord de Urf, c'est l'ours. Alors, on va tester le dragon. Je frappe un allié où j'inflige 3 points de dégâts au Nexus. Je pense qu'on va se débarrasser de la chercheuse. Après. Non, je vais me débarrasser de la chercheuse, elle est toute petite. Donc là, je mets un plus 1, plus 1, j'économise 3 PV. Et je draine de 1 aussi, c'est vrai. Vu que je frappe directement. Il est vraiment chouette ce dragon. Il est vraiment pété, hein. Moi j'adore. Je kiffe! Si nous pouvons changer ce qui a été. Nous réussirons, gardien du temps. Laissez-moi vous montrer. Avec un bon tag redoutable en plus. C'est loin d'être parfait, mais regardez. Si tes prédictions sont exactes, le futur est prometteur. Je peux déjà poser Viego. Hein. Let's go Viego. Elle m'attend au-delà de la brume, ma reine. Elle m'attend au-delà de la brume.
Il envoie. Focalisation avec lentille multiple, pas mal. Mais j'avais pas vu en détail l'artwork, mais il est rempli de lames. Il y a des lames partout, des épées partout. Ok, ça va taper là, ça va taper fort. L'expiateur, on va tester ça d'abord ou pas? Non. Ce qu'on peut faire par contre, c'est un petit sable vivant là, de suite. Hop. Tiens, l'aéroport. Ah, alors attendez. Je peux le faire passer à 6 avec ça. Et sacrifier une unité pour faire 7. Ah, c'est dommage. J'y étais presque. Oh, on va devoir dire au revoir à Viego. Et tant pis. Ce qui est bien, c'est que je vais drainer là, avec mon dragon. Regardez. Ah non, c'est quand lui il vainque une unité, d'accord. Oui. Oh. Alors attendez, toi t'y vas aussi. Écoutez-moi, c'est dangereux. Touche pas à ça. Ok. Ma sœur. Mes plans. Si tu veux vivre, ne fais pas de choses horribles. Et le palais qui pop vite en fait, hein. Même dans un petit deck comme ça. On n'échappe pas à l'expiation. Faites une prédiction, puis piochez une carte, invoquez un taureau de gré ou octroyez plus 1, plus 0 à vos alliés. On va faire une prédiction et piocher hein, pour 0, ça paraît pas mal. Prédiction, puis piocher. Oui, mais non, allez. Une hydre, ça ira. Est à nous. Ok. Du coup, mes expiateurs sont évolués aussi. Peu de force cet ivre finalement. Salut Palpix. Elle peut être très forte là parce que chaque début de round quand même. Attention, scélérat. Il a concédé. Alors, est-ce que ça me valide la quête, là? Oui, non, peut-être. On va faire un point. Hein.